Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, je devrais plutôt dire. Je suis ravi de vous retrouver pour ce premier live post-NAMM. Il faut savoir qu'il y a toujours une vie avant et après le NAMM. Là, ce NAMM, c'était ma 5e édition. Et à chaque fois, je prends une claque monumentale. Parce que c'est beaucoup de boulot, comme je me tue à le répéter, avant, pendant et après, mais aussi un pied monumental. Alors, aujourd'hui, vendredi, j'ai publié donc, les 4 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi, déjà les 4 articles qui contiennent l'intégralité des interviews que j'ai publiées. Et il y en a combien? Il y en a 20. 20 piles, voilà, c'est 20 interviews réalisées. Alors, je ne vais pas tous vous les passer en revue. J'ai commencé par Andy Powers jeudi matin, qui a présenté son modèle Grand Pacific tout court d'ailleurs, qui est la forme Dreadnought un peu réinterprétée par Taylor avec le barrage V-Class. Qu'est-ce que j'ai fait de vraiment top, que j'étais super content? Osnoy, très content d'avoir fait ce musicien d'origine israélienne qui est installé à New York depuis un moment. Dave Friedman avec sa crête sur la tête, voilà, puis qui est plutôt big, qui fait des gros amplis et qui fait ces belles pédales, là, la BOD que j'ai acheté pour tester et dont je publierai bientôt le test. Quoi d'autre de super kiffant? Fred Green, alors ça c'est quelqu'un que vous connaissez pas, que je connaissais pas non plus, mais qui est le Chief Product Officer chez Martin. Donc c'est le super chef de produit chez Martin, donc c'est le mec qui décide les guitares. Et quand John Mayer veut un modèle signature chez Martin, et ben c'est avec lui qu'il travaille. Et d'ailleurs, ce qui était assez rigolo, c'est qu'on commence l'interview avec ce Fred Green, et puis il me dit, il pose son téléphone devant moi, et puis il me dit, bon, je laisse mon téléphone allumé, parce que peut-être John Mayer va passer. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème, si John veut venir pour l'interview, je suis hyper open. Bon, John n'a pas appelé, mais néanmoins, j'ai trouvé que c'était une interview qui était vachement bien. Tim Pierce, voilà, chouette rencontre, un guitariste de session qui a enregistré je ne sais pas combien de centaines de milliards de disques et qui est aussi maintenant très connu sur YouTube, qui fait des très belles vidéos. Allen Heinz, ça c'était un des chouettes moments, c'est un musicien que j'ai rencontré par l'intermédiaire de Camille Rustam, à qui il est grand copain. Camille Rustam que j'ai d'ailleurs vu à nouveau à Los Angeles, puisque j'ai dîné avec lui un soir. Rhonda Smith, une bassiste qui a joué avec Prince et qui joue avec Jeff Beck maintenant. Et puis, bah voilà, c'est un peu le... Voilà, il y en a une vingtaine au total. Tout est en ligne actuellement, évidemment en version intégrale pour les gens qui sont abonnés à la chaîne Guitare. J'en profite pour faire mon petit speech, évidemment. Quand vous êtes abonné à la chaîne Guitare, que vous soyez en mode mensuel ou en mode annuel, vous accédez à deux choses. D'abord, à l'intégralité du catalogue vidéo, dont par exemple ces 20 vidéos tournées au NAMM, plus les 5 jours par jour, donc avec la soirée Custom Shop Fender, où je crois bien que j'étais le seul journaliste qui était invité. Voilà, c'est ce que je suis arrivé à m'incruster. Et donc, vous accédez à tout le catalogue de vidéos et aussi à la communauté privée qui permet de dialoguer avec les autres fondus de guitare. Donc, le NAMM, vraiment top. Et après, il y avait 3 jours où j'ai en particulier visité enfin le Musician's Institute, le MI, anciennement appelé le Guitar Institute of Technology, où il y a eu des profs illustres comme Paul Gilbert, Jennifer Batten, actuellement il y a encore Scott Anderson, Allen Heinz, enfin bref, c'est un peu la mecque de la guitare, mais pas que, puisque il y a aussi tous les instruments, piano, batterie, chant, DJ, ingé son, enfin bref, c'est beaucoup plus large maintenant. Donc j'ai fait non seulement une visite vidéo que je publierai très bientôt, et puis aussi une interview de Stig Mattison qui est le boss de la section guitare au Musician's Institute. Et aussi en complément, 3 visites de magasins, le Guitar Center de Hollywood, tout refait, tout beau, magnifique. Voilà, j'ai fait une chouette visite. Le magasin juste en face, Mesa Boogie, qui est évidemment rempli de Mesa Boogie, vous en serez douté en termes d'ampli, mais il y a aussi des chouettes guitares, Sir, Tom Anderson, pas mal de Nash, Sadowski en termes de basse, et qu'est-ce que j'oublie? J'oublie une marque, je ne sais plus laquelle. J'ai fait une petite interview du manager aussi, ça c'était bien cool. Et aussi True Tone Music à Santa Monica, qui est vraiment un chouette magasin. Et comme si ça terminait, ça suffisait pas, j'ai fait une interview avec Isaac Jenck, qui est un luthier adorable et qui a beaucoup de talent, qui exposait au NAMM pour la deuxième année et qui a son atelier, mais littéralement quasiment sur le Walk of Fame d'Hollywood, puisque son atelier est à 20 mètres du Walk of Fame. Et on a fait une interview où je le débrief de son âme, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir évidemment le feedback d'un exposant, surtout d'un luthier comme ça qui fait des guitares. Ces guitares, elles commencent à 8 000 $, elles doivent plutôt en général carburer autour de 10 000 $ et au-dessus. Et pour lui, ça reste quand même pertinent de faire un truc monstrueux où il y a 100 000 ou 150 000 visiteurs, je ne sais plus, au NAMM sur 4 jours. Donc on a parlé de ça. Et évidemment, comme on était chez lui, on a profité pour faire une visite de l'atelier. Ça aussi, c'est du contenu backstage. Donc le NAMM, un vrai régal. Je suis revenu avec des valoches comme ça sous les yeux. Je suis à peu près recalé maintenant, mais c'était vraiment cool. Et puis ce matin, je suis très content d'avoir posté l'interview que j'ai faite avec Martin Giovanni, que vous connaissez très probablement tous, si vous ne le connaissez pas, je suis sûr que si vous allez sur le site, vous allez le reconnaître. Vous êtes déjà allé sur son site, ça s'appelle guitare-improvisation. Et j'ai publié l'interview pour parler un peu de son projet, découvrir un peu le musicien derrière guitare-improvisation. Et on a même profité, scoop, pour enregistrer deux chroniques ensemble. Une chronique sur le ear training, donc comment on appelle ça, l'entraînement de l'oreille, je pense. Il y a un autre terme. Enfin bref, arriver à reconnaître les intervalles ou les accords. Et une autre chronique pour savoir comment jouer la pompe sur une guitare qui n'est pas forcément faite pour ça. Et donc, chouette rencontre avec Martin. Il y aura très probablement d'autres projets ensemble. Voilà, voilà. Avant de passer au sujet suivant, je jette un petit coup d'œil dans la chatroom, voir si tout va bien. Je vous dis un bonsoir à tous, hein, évidemment. Je vois qu'il y a pas mal d'abonnés de la chaîne Guitare qui sont là, c'est très bien, ça fait plaisir. Et surtout, c'est grâce à vous que ça continue de bien bouger. Dernier point par rapport au NAMM, donc il y a les épisodes vidéoblogging, les 20 interviews que j'ai publiées, plus tout ce que j'ai ramené après d'Hollywood, les visites de magasins, et il y a aussi toute la partie développement business, puisque l'objectif pour la chaîne Guitare d'être présent au NAMM, c'est bien sûr de ramener du contenu, mais aussi d'entretenir les partenariats existants, par exemple comme avec Elixir, avec Taylor, etc., mais aussi d'aller en chasser d'autres. Et j'ai eu d'autres contacts très intéressants et qui sentent bon, et je pense qu'il y aura des chouettes collaborations à mettre en place dans le cours de l'année. Donc je vous en parlerai dès que ça sera actif surtout. Vous avez pu observer par devers moi qu'il y a un nouvel arrivé au showroom. Il s'agit d'un ampli, c'est le Sideman FX, que je vais vous faire écouter à l'instant, qui est un ampli qui appartient à Jim Carthage, en fait, que j'ai fait en interview sur la chaîne Guitare, en français et en anglais d'ailleurs, on a fait dans les deux langues. Et Jim vient de déménager en Finlande pour des raisons professionnelles, et c'était un peu compliqué pour lui de déménager son ampli, donc du coup, il m'a proposé de l'héberger au showroom. Moi, je suis un homme de cœur, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas résisté. Et cet ampli est à vendre, donc c'est 1100 €, la tête plus le baffle 15 pouces. Et pourquoi FX dans Sideman? Parce qu'il y a une boucle d'effets derrière. Vous pouvez voir que l'ampli est très simple, une entrée, volume, tone, et puis master, basta, hein. Et ça sonne très très bien, c'est une très belle plateforme pédale avec un très beau son clair. Là, j'ai rien, je suis direct dans l'ampli, j'ai désactivé, pas de reverb, pas de délai, rien du tout. Il y a sans doute un petit peu de son qui passe au travers du micro-cravate, mais c'est tout. Un chouette ampli, bah, j'allais dire comme toujours chez Kate, oui, on commence un petit peu à s'habituer. Voilà, une très belle machine, donc si ça vous tente de venir, si vous voulez l'acheter, bah, écoutez, faites-moi signe. Et puis vous passerez l'essayer au showroom. Pour cette qualité-là, à ce prix-là, est disponible tout de suite, hein, parce que Thierry a quand même des délais maintenant de 6-8 mois, quelque chose comme ça. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Donc un chouette ampli. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc je vous ai dit tout à l'heure, quand on est abonné à la chaîne Guitare, on accède à tout le catalogue d'informations et aussi à la communauté privée. Donc, puisque c'est comme ça, on va aller faire un tour tout de suite dans la communauté privée, que je vous montre un peu ce qui s'y passe. Alors, pour bien faire, il faut que je vienne ici, que je fasse une petite manip, tac. J'attends que ça charge, ça va arriver, bougez pas. Et après, je vais faire le switch d'écran. Et si je fais le switch d'écran et je fais comme ça, voilà, vous allez participer au chargement en direct live. Là, peut-être que je m'attraque un petit peu la connexion. Voilà, donc on arrive. Donc le groupe Backstage, hein, c'est un groupe réservé sur Facebook. Qui n'est donc ouvert que aux gens qui sont abonnés sur la chaîne Guitare. Là, il met un peu de temps à charger, mais j'espère qu'il va finir par arriver. Il faut dire que je demande à l'ordinateur que non seulement faire la diffusion, mais en plus d'aller consulter. Donc, bah voilà, si vous êtes déjà allé sur Facebook, hein, puisque c'est forcément le cas, puisque vous êtes en train de me regarder, vous savez comment ça marche. Donc, eh ben, le principe, là, c'est une sorte de Facebook, mais réservé pour les fondus de guitare. Donc, moi, évidemment, en tant que grand mamamouchi, j'y poste pas mal d'informations. Mais vous pouvez voir, par exemple, Michael Meloff poste une question sur est-ce que c'est normal, avec après 20 ans de guitare, d'avoir encore mal aux doigts quand on fait les bends. Il y a beaucoup de contributions, de questions matos. Voilà, Greg, qui vient de s'acheter une superbe Strat Japon, modèle 57. Voilà, ça discute, ça pose des questions, chacun pose ses photos de guitare. Olivier qui nous poste une belle photo avec tout plein de cordes, visiblement il a fait des achats. Stéphane qui nous parle d'un émetteur HF de chez Boss, voilà, donc ça pose des questions, ça s'échange, on se dit ah, pourquoi t'as acheté ça? Oh, ça c'est Laurent, voilà, qui a reçu la box que j'envoie en cadeau aux gens qui prennent un an sur la chaîne Guitare. Il y a un t-shirt, un CD, un cadeau surprise. Je vous parlais de Martin Giovanni, ben le voilà, il est beau, il est tout barbu, il est venu avec ses deux guitares. Alexa, je ne vous ai pas encore parlé d'Alexa, maintenant il y a un skill Alexa sur Amazon, ce qui fait que vous pouvez ajouter la chaîne Guitare dans votre news, dans votre flash briefing. Voilà, ceux qui ont un Amazon Echo chez eux comprendront de quoi je parle. Voilà, ça c'est par exemple une des photos que j'ai prises au NAMM d'une des guitares de Michael Spalt, qui fait des très belles choses. Voilà, voilà, un peu à quoi ça se passe. Autre gros bonus de la communauté privée, si ça arrive à se charger, c'est que tous les soirs, lors du NAMM, eh ben, je postais toutes les photos. Donc, vous voyez, jour 1, 193 photos, jour 2, 121 photos, jour 3, 48 photos, jour 4, 114 photos. Donc, ce qui fait qu'en live, il y avait du guitare porn au kilomètre à fond. Et bah ça, c'est pas pour me vanter, mais je crois bien que je suis le seul à faire ce genre de couverture. Donc ça vous donne un peu une idée de à quoi ça ressemble la communauté privée. Donc c'est très très riche en échanges. J'espère que mes petits amis abonnés qui sont là en train de me regarder en direct pourront renforcer ce message. Il y a même des abonnés qui m'ont dit qu'ils continueraient de s'abonner même s'il n'y avait pas de vidéo à regarder, mais juste pour la qualité des échanges, hein, c'est pour vous dire. Donc c'est comme ça que ça se passe et c'est à ça que se sert la communauté privée. Et sans déconner, c'est garanti 100% sans troll. Il n'y a pas de troll. Je pense en 6 ans, même plus que ça, que j'ai activé la communauté privée, j'ai jamais supprimé un message. Voilà, donc c'est pour dire si ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Les événements à venir, eh bien demain, il y a la masterclass en dur au studio Lunarossa avec Pascal Vigné et Robin Saturax. On est à peu près complet, il y a 13 places de vendues. Normalement, on ferme à 15. Si jamais ça vous intéresse, faites-moi signe par le biais que vous jugez bon. Email, message privé sur Facebook, téléphone, voilà, comme vous voulez. C'est 25 € pour les non-abonnés à la chaîne guitare et 20 € pour ceux qui sont backstage, ceux qui sont abonnés. Le 1er mars, il y aura un masterclass en ligne avec Yann Armelino qui viendra ici, qui sera à côté de moi. Et on va vous causer guitare. Et le 22 février, avant ça, il y a Théo Cormier qui est un backstager qui vient juste de rempiler pour une nouvelle année et qui est aussi un super guitariste qui viendra co-animer avec moi le live du 22 février. J'ai oublié de noter ça dans ma petite liste. Et enfin, ce qui est très important, évidemment, il faut savoir que le mois de mars 2019, eh bien, c'est ni plus ni moins que les 10 ans de la chaîne guitare. Hein, c'est pas croyable ça, hein. Voilà, ça fait 10 ans que votre serviteur fait la chaîne guitare. Alors, en 2009, la chaîne guitare, c'était un simple podcast audio. Je faisais ça soir et week-end. C'était un pur hobby. C'est en 2013 que j'ai créé la société. Et c'est en 2012, un peu avant, que j'avais commencé à travailler là-dessus à temps plein. Donc, ça fait 6 ans que je suis à temps plein. Mais ça fait 10 ans que la chaîne guitare existe. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont je suis pas peu fier. Voilà, d'être passé au travers des 10 ans, d'avoir développé le projet à ce point-là. Clairement, j'aurais jamais pensé il y a 10 ans aller aussi loin, puis avoir autant de rencontres de tout genre, hein, sans démagogie aucune. C'est vrai que c'est un kiff monumental pour moi d'interagir avec les gens qui sont passionnés de guitare. Il y a quelqu'un qui s'est réabonné hier et que j'appelais, qui est un Belge, et qui me disait que... il me remerciait. Voilà, d'avoir rempilé pour un an parce qu'il disait qu'il jouait beaucoup plus de guitare depuis qu'il était abonné à la chaîne guitare. Là, moi, ça veut dire que ma mission est remplie et que je fais du bon boulot et que l'amplificateur de passion, puisque c'est ça hein, le slogan de la chaîne guitare, carbure à plein régime. Cet après-midi, encore 2 backstagers qui se sont réabonnés et que j'ai appelé, ce que je fais tout le temps, que ce soit pour les nouveaux abonnés ou pour les anciens qui rempilent. Ça me permet de remercier de vive voix, et puis d'établir le contact, de discuter chiffon, et qui était au taquet. Voilà, donc ça c'est vraiment un grand plaisir. Donc ces rencontres, c'est top. Évidemment, faudra que je fasse une compilation des 10 ans, savoir combien exactement j'ai fait d'interviews. C'est plusieurs centaines, c'est sûr. Il y a environ 1000, un peu plus de 1000 vidéos qui sont publiées sur la chaîne YouTube. Il y a une partie, ce sont des tests matos, une partie, c'est des chroniques pédago, des masterclass, mais dans l'immense majorité, je pense à 70-80%, c'est des interviews. Donc, il doit y avoir quelque chose comme 700-800 interviews sur la chaîne guitare, quoi. Et ça a toujours été l'objectif de balayer tout le monde de la guitare, donc du classique au métal, en passant par le blues, le rock, le jazz, le manouche, voilà. J'essaye autant que possible de ne pas écarter de style. Je dis autant que possible, parce qu'il n'y en a pas toujours qui me passent sous la main. Des manouches, j'en ai pas encore fait beaucoup, mais je demande que ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait David Reinhardt, qui est un des petits-fils de Django Reinhardt. C'était quand même pas mal, hein, on va pas se le cacher. J'ai fait des bassistes aussi, des joueurs de ukulélé, enfin voilà. Et donc tous les styles de musique, mais aussi tous les axes du monde de la guitare, puisque bien sûr il y a beaucoup d'interviews de musiciens, mais aussi des interviews de gens qui fabriquent ces petites bébêtes ou qui fabriquent des pédales, bah voilà, comme j'ai ici avec moi, Nicolas Devitt de Devitt Wired. Toutes les pédales que vous voyez derrière moi ici, là, sont des pédales de partenaires pro. Il y a par exemple cette excellente New Paradigm de chez Amy Effect, qui est fabriquée par Camille Jacob, qui est aussi un excellent luthier qui fait des très belles choses. Il y a aussi la pédale de distorsion venflette, donc ça c'est des partenaires pro qui mettent du matos ici au showroom qui permettent d'essayer. Donc Tout ça, c'est des chouettes rencontres et c'est aussi des interviews que vous trouvez sur la chaîne guitare. Donc beaucoup de musiciens, mais aussi tous les axes du monde de la guitare, des fabricants. Je vous ai parlé d'Andy Powers, qui est le master builder de chez Taylor. Il y a aussi des petits artisans qui vont fabriquer 10 guitares par an. Isaac Jenck, par exemple, il fait 10 guitares par an. Là où Taylor, je pense qu'il carbure à 100 000, je crois, ou quelque chose comme ça, quoi. Donc forcément, on fait légèrement le grand écart. Donc voilà, oh putain, 10 ans, ça fait beaucoup, un projet qui, moi, qui me passionne encore toujours autant et qui est un vrai kiff monumental. Et quand je regarde comme ça derrière, je me dis, mais c'est dingue, quoi, tellement le projet s'est développé. Mais enfin, j'ai vraiment, honnêtement, l'impression d'avoir uniquement que gratté la surface. Et il y aura encore il y a tant de projets que j'ai envie de développer. Le showroom, ça a été une idée que j'avais depuis un moment qui marche vraiment très bien, où les gens qui sont abonnés, qui ont pris un an d'abonnement, ils peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent pour venir ici, pour tester du matériel, juste pour le plaisir de prendre un café, discuter avec moi, tester les pédales, les guitares, etc. Mais il y a plein d'autres choses que j'aimerais encore développer. J'essaie de faire plus d'événements en province. Évidemment, il y a Issoudun qui a un rendez-vous incontournable. Cette année, enfin l'année dernière plutôt, je suis allé à Toulouse. Voilà, j'ai des projets pour faire des choses en province. C'est un des objectifs que j'aimerais bien encore développer. Mais ce qui est compliqué en fait pour les événements en province, c'est qu'il faut trouver les gens qui sont relais sur place et qui ont les contacts pour trouver les endroits et compagnie, quoi. Et donc voilà, faire plus d'événements comme ça, faire plus d'événements tout court, plus de masterclass, plus de diffusion en ligne, c'est pas compliqué, plus de tout, plus de tournée matos. Alors la tournée matos, ça c'est un truc dont il faut que je reparle plutôt. Vous voyez par exemple cette pédale là, l'excellent préampli Devitt Wired de Nicolas, eh bien c'est une pédale qui a tourné chez 10 ou 15 abonnés de la chaîne guitare. Donc moi j'ai envoyé la pédale au premier abonné, qui l'a gardé chez lui pendant une semaine, qu'il a donc testé sur ses guitares, ses amplis, dans sa pièce, etc. et qu'il l'a envoyé au suivant et ainsi de suite. Ce qui fait que les gens ont la possibilité comme ça de tester du matériel chez eux gratuitement. Ils ont juste à financer l'envoi vers la prochaine étape et en toute convivialité. Puis après, évidemment, on discute de tout ça backstage. Ah bah tiens, moi j'ai bien aimé ça. Ah tiens, j'ai trouvé que ça sonnait d'enfer. Tiens, ça pour tel truc, j'aurais pensé que, et blabli, blabla. Et ça, c'est un des avantages de l'abonnement annuel de la chaîne guitare. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, 10 ans, c'est passé très vite. Je vous encourage. Il y a même une vidéo qui a été tournée, je pense, en 2009, où j'avais les cheveux super courts à l'époque. J'avais déjà cette PRS que j'avais achetée au Canada quand on y habitait. Et... c'est assez rigolo. Alors moi, je ne me suis pas regardé depuis longtemps, mais je parle de la chaîne guitare. Évidemment, à l'époque, j'ai aucune arrière-pensée de me dire « Ah tiens, ouais, super, je vais faire la chaîne guitare, ça va devenir un vrai boulot pour moi. » Loin de là, loin de là. Donc mars, ça va être un gros mois. J'espère pouvoir marquer le coup d'une manière ou d'une autre. J'ai pas mal d'idées. On en parlait justement backstage pendant le pré-live avant. J'ai envie de faire des trucs. Ce qui est sûr, c'est que 2019 sera marqué partout, mur à mur, à la lumière de ces 10 ans. Et enfin, du 22 au 24 mars, il y a Guitare au Beffroi où la chaîne guitare sera partenaire et aura un stand comme depuis toujours, enfin depuis que c'est possible, c'est-à-dire ça va faire, je pense, c'est la 7e édition du Beffroi. Je pense que ça fait 4 fois que j'aurai un stand. Les fois d'avant, les 2 premières éditions, il n'y avait pas de stand pour les médias. Voilà. Donc il est quelle heure? Il est 20h23. Je fais que placoter, je me tourne vers la communauté. Voilà, je vais vous mettre ma tronche comme ça en énorme pour savoir si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Perrine me demande si je peux héberger son chien quand je pars en vacances. Alors, oui mais non en fait, Perrine. Voilà. Eh oui, 10 ans. Ah oui, Laurent, hein, tu te rappelles, hein, Laurent, hein, tu étais un des tout premiers abonnés et tu n'as jamais arrêté ton abonnement. Le temps passe vite, hein, c'est dingue. Hein. Voilà, je regarde, je dis salut à tout le monde. Est-ce que je peux envoyer un Vostro en tournée matos? Je suppose que tu parles du Mostro, l'ampli de Thierry. Alors, envoyer un ampli, ça serait un peu compliqué, mais j'ai d'autres idées qui pourraient être assez sympas, je pense. Mais là aussi, on en reparlera à l'occasion. Donc écoutez, sur ces bonnes paroles, sauf si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, j'irai les voir tout de suite après ou dès que j'ai une minute. En tout cas, je vous donne rendez-vous sur lachaîneguitare.com. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas abonné, vous allez en haut sur la chaîne guitare. Et vous savez quoi, je vais vous le montrer. Bah oui, parce que je peux le faire. Je passe dans navigateur et je vais sur la chaîne guitare, sur le site web. Qui va se charger dès que la connexion internet va bien vouloir. Voilà, ça arrive doucement mais sûrement. Et vous voyez ici, normalement à peu près juste au-dessus de ma tête, là, voilà. Non, par là, comme ça, voilà. Il y a un pavé où il y a marqué « Essai 1 mois offert ». Eh bien, vous avez juste à cliquer là-dessus et ça vous permettra de bénéficier d'un mois gratuitement sur la chaîne guitare. Et sans démagogie aucune, je pense que c'est la meilleure manière de découvrir ce que c'est la chaîne guitare. Et vous êtes membre à part entière de la chaîne guitare pendant un mois. Donc, vous avez accès à toute la communauté privée et à tout le catalogue des... Le catalogue des vidéos qui sont déjà publiées. Voilà, comme ça, vous savez tout et vous n'avez aucune excuse. Comme je dis toujours, voilà, la meilleure manière d'échantillonner, de tester la chaîne guitare, de savoir si ça vous convient, eh bien, c'est d'essayer. Par contre, je vous préviens, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon début de week-end. Il est vendredi soir, c'est peut-être, ouais, c'est presque l'heure de l'apéro. Je vous fais des grosses bises, continuez à bien jouer de la guitare et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Là, je serai tout seul, c'est celui d'après où je serai avec Théo Cormier, ok ? Donc, je ne vais pas tarder de raccrocher. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, ça va être la fin pour cette superbe session. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et merci d'avoir regardé le live. Ciao, bye bye.